Ravi de te revoir, mon fils. Tu m'as manqué. Les hommes ont-ils commencé à installer le campement ? Oui, père. Bien. Cette terre est verte et fertile. Je crois que nous pourrons en faire quelque chose. Je suis d'accord. Nous prospérerons ici. Viens, assieds-toi. Écoute, j'ai rêvé de l'avenir de notre peuple. Un avenir glorieux. Glorieux. J'ai vu notre peuple conquérir des terres et traverser des océans, élargir nos frontières et découvrir de nouvelles civilisations et de grandes richesses dans des régions lointaines. Nous avons bâti de splendides monuments à la gloire des dieux, dressés fièrement jusqu'à toucher les cieux. Et puis j'ai vu une ville immense, dont les bâtiments en pierre étaient tous plus magnifiques les uns que les autres. Notre peuple emplissait les rues, toujours plus nombreux. J'ai vu la souffrance aussi, grande et terrible, infligée par les tourments de la guerre. Mais nous étions forts, et nous avons offert la victoire à notre peuple. Et là, mon rêve a pris fin. Comme mon histoire, elle aussi. Car j'ai compris que c'est bien de ton avenir que j'ai rêvé, et pas du mien. Le destin de notre peuple est entre tes mains, mon fils. Je t'envie, mon garçon. Désormais, tes décisions vont façonner l'histoire. Va, mon fils, avec ma bénédiction, et forge ton avenir.